directrice de fédération et il a choisi M. Malik Kébé pour être membre de cette fédération gagnante. On applaudit pour M. Malik Kébé. Bonne arrivée, tonton, bonne arrivée, mon boss. En tout cas, Béni, je vous passe le micro pour souhaiter de votre manière bonne arrivée à M. Malik Kébé, le directeur national par ailleurs, en tout cas, de ce fonds pour le développement de ce qu'on appelle le domaine culturel et artistique. Merci d'être venu. Merci, mon frère Moïse. Bonsoir à Imaya, bonsoir à nos papas, bonsoir à nos mamans. Si on est content pour la vie de frère Malik Kébé, M. Kébé, les mains comme ça, les tous comme ça. Quand je compte, on tape, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Antonio Malik. Merci, je suis content, je sais que Imba est là, on est présent. C'est monsieur, la plupart des jeunes, ou les artistes, ou les sportifs, ce monsieur prend tout son temps pour aider les jeunes. Tu viens voir M. Antonio Soirée à son bureau pour un problème, il te règle. Même s'il ne peut pas tout faire, le peu qu'il a, il te donne. Ce monsieur, nous on s'est dit aujourd'hui, autour de M. Antonio Soirée, il n'y a que nos frères qui nous ont initiés, qui nous ont donné aussi des idées, qui nous ont grandi, dont M. Malik qui avait fait partie. Je me suis dit, pour organiser un tel événement, c'est très très coûteux. Vigile, hôtesse, tout, mais ça meurt parce que ce que Malik Kébé nous donne comme morale, t'as vu non, comme éducation, comme idée, comme formation, et ce que M. Antonio fait aussi, c'est énorme. Franchement, je me suis dit, c'est pas toutes les personnes qui vont aller demander quelque chose à Antonio. Nous et les jeunes de Yimbaya et les habitants de Matoto vont donner à Antonio quelque chose. C'est pour ça que j'ai organisé ça au nom de Yimbaya pour donner à M. Antonio. C'est notre soutien ça à M. Kébé et toute l'équipe de M. Antonio Soirée. Et ça c'est très important pour nous. Ce monsieur fait beaucoup pour la jeunesse et beaucoup pour la culture. Donc franchement, ça me fait plaisir qu'il envoie un frère de l'air, un frère qui nous a initié, qui nous a donné beaucoup d'informations, M. Kébé Malik. On applaudit pour ça. Et surtout, c'est le moment de remercier tous ces artistes qui ont eu le temps de se déplacer pour venir soutenir M. Antonio. Il faut le signaler aussi. J'ai donné le transport à personne. Ces jeunes se sont dit, on vient de soutenir Bénédi, on vient soutenir Malik Kébé et Antonio Soirée. Merci les artistes, franchement, je suis fier de vous. Donc, sans plus abuser de votre temps, je passe le micro à mon frère Kébé Malik. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord vous demander d'applaudir Béni pour moi, s'il vous plaît. Ce qu'il vient de faire ici, je veux bien préciser que ni Antonio, ni moi, ni personne lui a donné un franc pour organiser ce soutien. Et donc, s'il le fait, c'est important de le remercier et de l'applaudir. Applaudissez Béni pour moi, s'il vous plaît. Je suis là pour représenter un monsieur. Ce monsieur s'appelle Antonio Soirée. C'est la première fois que je m'engage derrière quelqu'un. C'est pas un hasard. Si je le fais, c'est parce que ce monsieur mérite d'être accompagné. Il mérite d'être soutenu. Il mérite d'être suivi. Pourquoi? Depuis un certain temps, il ne cesse de s'investir au niveau de la jeunesse en général, au niveau de la culture, mais également au niveau du sport. Il nous a appelé, nous jeunes, pour venir autour de lui, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le football guinéen souffre aujourd'hui. C'est inconcevable dans un pays comme la Guinée, qui est deux stades seulement synthétiques. C'est inconcevable que ce stade de Yimbaya ne soit pas recouvert de gazon. C'est inconcevable. C'est que les jeunes qui sont là ne puissent pas être soutenus et accompagnés. Ce monsieur est venu, il a mis au niveau de Yorokodia un centre sportif qui a coûté près de 5 millions de dollars. Ce que je dis bien, c'est pas un hasard, c'est de la réalité. Aujourd'hui, il s'engage pour le sport, il s'engage pour la culture, il s'engage tout court pour la jeunesse guinéenne. Et donc nous avons compris que ce monsieur est un messie et que ce messie doit être soutenu et accompagné. Raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui autour de lui pour ne pas qu'il échoue.
tous ceux qui sont en train de dire que l'ancienne équipe a échoué étaient avec cette ancienne équipe. Ces gens-là qui étaient autour n'ont pas été certainement à la hauteur comme ceux qui étaient à la tête de cette ancienne équipe. Alors aujourd'hui, M. Soaré a compris. Il a appelé un certain nombre de jeunes, un certain nombre de jeunes qui ont posé leur, qui ont fait leur preuve dans notre pays et qui vont l'accompagner dans cette mission. C'est dans cette mission qui sera d'accompagner, de tenir et d'aider cette jeunesse qui est. Alors, je ne saurais terminer sans remercier les autorités de Yimbaya d'avoir accepté la tenue de cette cérémonie, sans remercier nos parents qui sont là, mais également sans remercier vous, le public. Vous avez tout abandonné pour venir soutenir M. Antonio Soaré parce que vous pensez que ce monsieur pourra apporter quelque chose à la jeunesse guinéenne. Le mardi, ça serait la victoire. Il n'y a rien à dire. Le mardi, M. Antonio Soaré sera élu, Inch'Allah, président de la Fédération guinéenne de football. Aujourd'hui, il est au niveau de toutes les grandes instances du football mondial, au niveau de la CAF, mais également il vient d'être nommé à la tête d'une importante commission au niveau de la FIFA. Ce monsieur est la personne qu'il fallait à la Guinée pour que notre football puisse démarrer. Il faudrait que les années à venir, que la Guinée soit présente à toutes les compétitions internationales, que ce soit à la Coupe d'Afrique, mais également à la Coupe du Monde. Il faudrait qu'en 2023, que l'organisation de la Coupe d'Afrique ici soit couronnée par le trophée. Et donc, une fois de plus, je vous demande d'applaudir pour M. Antonio Soaré et également applaudir pour M. Bénédicte Record qui a accepté d'organiser cette manifestation ici ce soir. Merci beaucoup. Dites à M. Soaré Antonio qu'il a passé la moitié de sa vie à sponsoriser la jeunesse guinéenne, à sponsoriser le football guinéen, à sponsoriser la culture guinéenne. Aujourd'hui, c'est la jeunesse guinéenne, à travers la jeunesse de Yimbaya, à travers le label de production Bénédicte Record, et par ma voix, nous lui sponsorisons. Nous lui sponsorisons jusqu'à la victoire finale. Et nous sommes de guerre avec vous d'avoir lui prêté votre compétence, votre relationnel et votre expérience en la matière. Merci, M. Kevin Malik. Merci à la jeunesse de Yimbaya. Soit de Yimbaya, c'est qui ? Antonio ! Soirée ! Les soirées de Yimbaya, c'est qui ? Antonio ! Soirée ! Antonio, quel est ? A quel est le nom de la balle et donc vous la rendez là ? Vim Malik Kevin ! Vim Malik Kevin !